Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le jeu Supreme Commander 2. Je donne comment la cinquième mission du chapitre 1. Qu'institut, faction ou famille. Vous êtes arrivé à Fort Buck, juste à l'extérieur de la nouvelle cathédrale. Vous avez réussi à fortifier les défenses existantes de la ville et à préparer les transports pour aider à l'évacuation. Malheureusement, on n'a pas réussi à prendre contact avec votre femme et votre fils à l'intérieur de la ville. Défendez la ville contre l'évacuation tout en gérant l'évacuation. Voilà. Et vous laissez maintenant avec le briefing d'intro. Have you been able to reach Annika? Negative. All communications are down. Have we done enough to protect the city? The transports are taking as many people to safety as possible. The UEF forces have arrived. Commander Lynch, you are about to commit war crimes against a member of the Coalition. My orders are to subdue this colony and anyone protecting it. Any decent human being would refuse an order to attack civilians. Speeches will get you nowhere, son. Lynch, cut him off and hit him hard. Lynch has started her attack. We have the upper hand here. If she's willing to put her life on the line for someone like Rogers, we should oblige her. I can reach her. Fine. Hold her off while the transports evacuate the city. There are innocent women and children here. They're terrorists, all of them. Alors nous on va attendre la fin de... un point de plus pour ça, c'est bien plus rentable que ça. Et on va tout de suite commencer. Notre défense. Voilà. Un ingénieur ici va faire pareil. Bon, ils sont pas toujours au même endroit, sincèrement, je m'en fiche. Ça, par contre, ce sera important de faire tout ça. Ici, pareil. Alors, 150. Toc. Bon, énergie, ça va être presque bon. On rajoutera deux générateurs dès qu'on pourra. Ça sera bon. Il faut savoir que généralement, 4 générateurs améliorés avec la recherche, c'est généralement amplement suffisant pour tenir. Normalement, c'est amplement suffisant, mais bon, c'est pas... Vous savez aussi bien que moi, c'est jamais aussi simple que ça. Donc fortifiez immédiatement tout ce que vous pouvez fortifier, donc droite, gauche, centre. Vous avez deux boucliers déployés, mais il faudra rapidement rechercher les nouveaux boucliers. Il faut découvrir Sa Majesté Cryptor, donc le prototype majeur de la FTU. Alors je dis majeur et mineur, parce que certains prototypes sont encore plus puissants que ce qu'ils sont. Vous comprendrez très vite pourquoi. Mais globalement, je fais quand même être sincère avec vous, je trouve que les unités standards sont amplement suffisantes et généralement les prototypes ne viendront que renforcer un peu une position que vous avez déjà. Après voilà, c'est ce que je trouve au jeu, c'est ce que je me suis rendu compte. On peut être d'accord avec moi, on peut être en désaccord avec moi. Ici, on améliore la santé et on aura bientôt les boucliers. J'ai 4 chasseurs. On voit. Là, on voit des transports des Aeons que j'aime bien. Ce que je trouve mieux en fait que dans le premier. Je trouve. Enfin, le premier. Après, le premier c'était aussi une patte graphique qui était tellement différente. Donc. Je pense pas que graphiquement on peut comparer les deux, honnêtement. Niveau détail, les deux sont détaillés, les unités sont détaillées, donc... Ce qui pêche après, c'est peut-être le choix artistique qu'il y a eu derrière. C'est là où je pense vraiment qu'on pourrait avoir un débat assez intense.
Hop. Hop. Faut que j'arrête de dire hop, ça c'est un tic. C'est un sacré tic que j'ai, faut que j'arrête de... ce tic. Je m'en excuse, je m'en excuse. Donc deux boucliers devant. Mon commandant va récupérer des carcasses parce qu'il y a plein de ressources. Un temps de construction, on va le diminuer aussi. Alors, j'ai trois ingénieurs et chacun restera là vers sa ligne de défense pour justement auto-réparer au besoin à la ligne. On n'a plus que choix là. Bah, niveau économie, ça tient bon, hein, on va pas se mentir. Niveau recherche, bon, bah, là on va commencer à lancer la recherche. Et les Fat Boy va être votre meilleure arme pour vous défendre. Hein. Ce sera. Faut considérer le Fat Boy comme une unité d'artillerie lourde en fait. Regarde moi je vois ça comme tel, je vois pas ça comme une unité enfin, il y a plein de carcasses au même endroit, je sais pas combien il y a de carcasses de tank donc Et je vais en mettre une ici aussi. Donc on va construire Fat Boy nous en série. Il y a un objectif secret, c'est de construire je crois 6 prototypes, 5 ou 6 prototypes dans la mission. On va essayer de le faire, hein. Enfin, même pas on va essayer, on va le faire. Voilà. Donc nous sommes en pleine guerre civile, là, la coalition se fait la guerre entre elles maintenant. Plutôt une personne a abusé de son Fat Boy has just rolled off the production line. This one is fully controllable, not automated like the ones you ran into at the Boulon Industrial Complex. Bouclier. J'ai plus d'énergie là par contre. L'énergie, par problème des prototypes, c'est que ça consomme une grande quantité d'énergie. Enfin, souci, avantage ou inconvénient. C'est pas une défense là, je vais faire sauter en tout cas ces deux là. Donc la masse en priorité. Maintenant l'énergie. Enfin, maintenant, on s'attaque au deuxième problème. Look, Lynch, I stepped over some bodies to get here. Yours doesn't have to be one of them. Moi, je fais ça, ça et ça, pas plus. Enfin bon, si de toute façon il fait son choix, hein. Elle garde son libre arbitre, si elle veut l'écouter, c'est qu'elle soutient ses idées, de toute façon. Hein. Non, j'ai pas raison. Je suis d'accord qu'on peut protéger qu'un militaire doit écouter les ordres, mais bon, c'est quand même facile. Après bon, il y a quand même une expérience qui a prouvé quand même quand vous êtes dans une position dans je sais plus comment il s'appelle, expérience,
a été faite en plus cette expérience, c'est en gros vous êtes dans un lien de subordination et vous allez tout faire ce qu'on va vous demander, sans remettre en cause, même si c'est inhumain. Je m'excuse de ne plus avoir une autre expérience. Mais en gros la personne va... C'est comme... Il faut considérer que la personne est déconnectée mentalement, il va faire tout ce qu'on lui dit sans... sans réfléchir en gros. C'est impressionnant, j'avais vu ça, c'est impressionnant. Ces expériences ont été refaites sur TF1 à une époque, c'était en gros, c'était Arthur qui a présenté l'émission à l'époque. Et on obligeait en fait, dès qu'il se trompait, une personne du public devait électroquitter des comédiens, enfin, c'est semblant des électroquitter bien évidemment. Et on s'est rendu compte que le simple fait de dédonner la responsabilité, de se dire bah, on n'est pas coupable, c'est juste une main qui agit pour quelqu'un d'autre, les personnes sont capables de faire des choses totalement inhumaines. Parce que bah, le lien de subordination est tel qu'on ne peut pas remettre en cause ceci. C'est impressionnant. J'essaierai de retrouver le nom de l'émission. Bah, en tout cas, de retrouver le nom. De cette théorie, parce que je pense que ça vous intéressera. Mais c'est impressionnant. Et ceci a été observé pour la première fois, en fait, c'est ceux des soldats qui étaient revenus de la guerre du Vietnam. Donc là, par contre, ma ligne va être lourdement... Donc, globalement, vous voyez, je me défends assez en retrait, pas directement là. Je pourrais défendre ici, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire ces défenses là et de les défendre en début de partie. Et après, faut juste qu'étendre quoi. Voilà, donc là, après, canon magnétique double, donc on va doubler les canons. Voilà. On va maintenant arriver à Sa Majesté Kryptor. Je crois qu'un objectif secret c'est de construire Majesté Kryptor aussi, mais j'ai un doute. Donc comme vous voyez, les assauts s'intensifient, mais c'est normal. Les assauts s'intensifient d'eux-mêmes parce que plus vous produisez, plus les usines vont produire rapidement. Ouais, je suis quasiment identique de chaque côté, donc je suis content de moi. On augmente les dégâts. The first batch of evacuees have made it out of the city. Now it's time to be the aggressor. I still have one more card to play. This is a city full of innocent families. Imagine what you'd feel like if I have my orders. Strategic launch detected. Anyway. No. Pull yourself together, Migraine. Lynch has two ICBM launch facilities. Take those out, the nukes stop. Maddox, you still with me? This isn't over. The King Kryptor unit is now available for construction at an experimental land factory. How can you side with these terrorists over your brothers and sisters in the UEF? C'est vous les terroristes. Oh, on attaque des civils, mais c'est normal. Sérieusement. Donc là, j'ai un gros problème, c'est ma DCA, donc pour lancer un assaut, ça risque d'être compliqué. Donc faut que je commence à produire en masse la DCA. Donc là, je vais prendre ces trois points-là pour qu'on se repère rapidement possible des chasseurs. Peut-être bien des durées de mission, d'objectifs secrets. Mais... Je sais. Ça c'est tellement rien.
Ah bon, on va envoyer ces trois fat boys à l'assaut. Ça peut surprendre, mais ma défense sans eux pourrait largement tenir. Mais je vais quand même les envoyer à l'assaut. Strategic launch detected. Est-ce que je vais les améliorer? Ouais, je vais les améliorer. J'améliorerai mon aviation. Sa Majesté Kryptor est en construction. Elle coûte une blinde à faire. Sa Majesté Kryptor est quand même. Sa Majesté Kryptor est quand même tellement plus résistante. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave si je les perds. De toute façon, on est là pour combattre, pas pour rester sur nos positions. Mon aviation s'est fait quand même bien massacrer. You should find the advanced defensive capabilities of the King Kryptor to your liking. Voilà. King Kryptor. Ils vont raser la ville. Après, bon. Je vais vous dire que c'est pas grave, mais bon, c'est toujours quand même des civils abattus. Je vais faire ça. King Kryptor. King, ça veut dire roi. Bon, ils vont traduire ça par Sa Majesté, pourquoi pas. Alors, sachez que j'ai beaucoup de mal à le lancer quand je vais vous faire vidéo dessus. Je sais pas combien de fois j'ai rien stacké. Mais il marche. Donc, une fois que vous l'avez installé, c'est bon. Quand même des monstres hein. Bombarder des civils sans pitié en plus. Ouais, ça Kim Kryptor, je crois qu'on est en série. Alors aucune protection, il faut avoir une protection anti-aérienne pour ce NTA parce que il veut pas se défendre contre tout ce qui vole. J'aime bien, j'ai toujours une préférence moi pour les chasseurs par rapport aux canons anti-aériens, tant que les canons anti-aériens ne sont pas améliorés. Je vais quand même commencer à construire moi, mes canons anti-aériens. Il risque d'en avoir énormément, je préfère vous dire. D'accord, en fait il y a une patrouille là d'appareils au plein milieu, d'accord. On voit ma défense, ça quand même. Elle tient largement. Hein, c'est... Bon, celle-ci elle avance. Je vais pas dire que c'est. Qu'elle est dure, hein, mission, parce que c'est pas le cas du tout. En fait, sur cette mission, ce que je trouve un bon point, c'est que vous êtes toujours cette tension de vous dire mince, faut que je me dépêche, faut que j'y tue, avant qu'il tue plus de civils, etc. Vous êtes. En gros, vous avez une auto-pression personnelle. Le bien, c'est que c'est vrai, c'est une pression qui est purement.
l'impression que vous la mettrez tout seul en fait. Il y a personne qui vous dit vous devez faire ça en tant de temps, etc. Non, il y a rien qui vous oblige. Strategic launch detected. Pas des canons de navire qu'il a par hasard sur sa coque, je crois même. Mes appareils aériens, je vais replier tout de suite dans ma base. Pas mes points de défense. Alors pourquoi je les ai repliés? Est-ce que j'étais en train d'en perdre beaucoup? Et qu'il faut essayer de les économiser quand même. Bon, le bon point c'est qu'ils reconstruisent pas tout ça, je crois, mais à vérifier quand même. De toute façon, on verra très vite. Je suis en train de construire de toute façon ma DCA en grand nombre. À l'entraînement, j'ai fait que de la DCA avec mon King Cryptor et j'ai trouvé que ça passait pas très bien. Là, je vais essayer de faire un mix DCA avion. Qui pour l'instant, j'ai que les avions, ça suffit pas. Donc, on va essayer de voir en faisant un mix, mais. Actuellement, je suis pas convaincu. Ils sont en train de nuquer maintenant les parcelles, les plateformes d'évacuation. La ville est en miettes, hein, bien évidemment. 5 ans parce que quelqu'un d'assez malin pour écouter des ordres aveuglément fait. Enfin bon. Ah, c'est notre filigrane. Je crois que c'est. L'effet de filigrane, ou je crois que c'est ça le nom de ce que je vous parlais. Que les personnes sont capables d'écouter les ordres aveuglément, même si c'est horrible ce qu'on leur demande de faire. Ouais, ça doit être ça, c'est filigrane. Ah ouais, finalement j'aurais retrouvé. Donc là, il va être détruit parce qu'il y a bien trop de. Ah, moi je suis content, moi, tu as retrouvé ce que je cherchais de terre. Après, si vous voulez, je peux toujours vérifier immédiatement. Parce que de toute façon, j'attends mes King Cryptor, de toute façon, pour avancer. Et on va aider ça. Donc, c'est pas 6, c'est plus 7 alors. Je me suis trompé. C'est pas ça. Je retrouverai bien. Je trouverai bien. C'est quelque chose de pas connu. Donc c'est. Enfin si c'est connu. Ah pour moi. En tout cas. Donc là, on voit déjà tous mes appareils. Prêt à couvrir mon petit King Cryptor.
Alors mes appareils font toujours leur boulot dans cette piste. Ah ouais, expérience de 1000 grammes. Voilà, j'ai retrouvé, excusez-moi. Pas filigrammes, c'est 1000 grammes. Voilà. Confirmé, etc. Donc mes excuses du temps qui m'a fait pour retrouver le nom. Ah, j'ai retrouvé, je suis content. Alors, l'opération de 1000 grammes est une expérience, je trouve, très intéressante. Du fait qu'on voit que les gens, à partir du moment qu'on peut, comme j'ai pu expliquer, leur dire vous ne risquez rien, vous n'êtes pas responsable, etc., vont le faire sans omettre une seule objection. C'est pour ça qu'on est arrivé pendant la guerre du Vietnam justement à faire des personnes notamment dénuées de morale. On disait tu tues cette personne, tu le tortures, etc. C'est malheureusement les inconvénients de comment on a découvert ça. Hein. Mais c'est toujours très intéressant à se rendre compte que dans ce joueur, en fait, c'est ça qui est présenté, c'est dans cette mission en tout cas. On se rend compte que les gens ils peuvent écouter aveuglément des ordres sans les remettre en question, à partir du moment qu'ils ne s'en sentent pas responsables. C'est pour ça que j'ai voulu faire le lien entre les deux, notamment pour cette mission. Ce que je trouve, c'est l'exemple typique. On demande à des personnes d'abattre des civils, et à aucun moment, ils vont se rebeller, entre guillemets, à aucun moment. Ouais, notre héros s'est quand même rebellé. Je crois que là ça prend ça un nuke. Suivez en bas. Donc je pense que il y a une émission télé qui a été faite sur TF1 Manche. Je suis sûr que vous pouvez retrouver sur internet. Ouais, je vais vous, si vous souhaitez vous mettre le nom, hein. En plus, je vais le chercher le nom en plus. Mais c'est. Personnellement, quand j'ai vu ça, j'étais. Donc l'espérance de 1000 grammes. Hein. J'ai été stupéfait de me rendre compte de ça. En gros, c'est on voit les personnes qui sont capables de donner un courant électrique à une autre. J'ai plus dans. Bah, c'est des psychos qui ont réglé ça, c'est suite au problème de la guerre du Vietnam. On s'est posé la question comment des êtres. Comment on pouvait se demander si c'était possible que des gens puissent faire autant de mal à autrui sans à un moment se dire mais c'est inhumain, c'est pas possible, on peut pas. Et c'est toute cette réalité qui entoure en fait l'opération de 1000 grammes. Enfin, expérimentateurs font faire 10 en fait. Faut faire 10 prototypes pour arriver à. Ah, cet objectif secret. One loop down. C'est. Impressionnant. Je sais pas en fait comment. Faut imaginer en fait, vous êtes dans une situation où vous êtes capable de vous dédouaner de votre responsabilité. Quand j'ai découvert ça pour la première fois, j'étais ultra surpris. Je savais pas que c'était possible de se sentir en fait, d'une certaine manière, de ne pas se sentir responsable de ce qu'on a, de ce qu'on fait. Et c'est totalement ça en fait, le 1000 grammes, c'est que quand vous regardez l'expérience, vous voyez que les gens ils le font, mais. On dirait que les gens ils sont devenus inhumains, mais sincèrement. C'est. En gros, il y a quelqu'un qui va vous dire faites ça, faites ça, faites ça. Faites ça. Et en fonction des personnes, vous allez en fait utiliser des phrases différentes. Par exemple, quelqu'un qui
Vous trouvez en fait un moyen de faire pression sur la personne. Chacun a des moyens de pression. Alors, reproduction d'expérience, c'est bon, je suis en train de trouver. Ça a été réalisé en Italie, en Jordanie, en Amman de l'Ouest, Afrique du Sud, Autriche, Espagne, Australie, et à différentes époques. Et ça a toujours été confirmé, ça a toujours confirmé cette théorie. Or, France Télévisions produit en 2009 un documentaire, Le Jeu de la Mort, mettant en scène un faux jeu télévisé, La Zone Extrême, reprenant l'expérience de 1000 grammes. Donc voilà, c'est le jeu de la mort si vous cherchez. Donc faut savoir que quand Dan n'était pas au courant de ça, c'est qu'après coup qu'on aura dit, bah en fait, bienvenue, vous avez participé à ça, on vous remercie. C'était un... Je vous rassure, personne n'a été blessé durant tout ça. Hein. C'était. Attendez. C'est facile de faire croire à quelqu'un quelque chose. Vous le mettez pas au courant, c'est bon, vous obtenez opération de 1000 grammes. Hein. Mes avions ici font le travail. Madessa ici fait extrêmement bien le travail. Bon, j'ai perdu de King Crictor, mais c'est pas grave. Alors, ici, j'ai débloqué deux améliorations. Je peux faire ça. Mon IBC est détruit. Bon, ça coûte ultra cher de faire un nouveau IBC, on est d'accord. Je vous présente quand même. Vous avez cette amélioration pour tous les commandants. Je sais pas si vous avez, je sais pas si le, ça expose si jamais vous n'avez pas cette recherche réacteur éjectable. Je sais que si vous l'avez, en fait ça expose pas votre UBC, mais je sais pas si lorsque vous utilisez votre capsule de secours, est-ce que ça expose ou non. Bon bah là on va bientôt faire taire deuxième missile nucléaire. Et là après pendant une minute vous reconstruisez, ça coûte ultra cher. Donc évitez de quand même perdre ça, mais votre UBC... Ça par contre, vraiment, c'est des ajouts. Moi je trouve, l'ajout de la technologie pour les commandants, c'est génial. Votre commandant, vous avez vraiment l'impression qu'il évolue dans la partie. Avec tout ça. Tout... Moi, l'arbre technologique, je suis convaincu que c'était une bonne idée dans l'ajout. La suppression de système de tech, ça par contre, je suis pas convaincu que c'était une bonne idée. Parce que je trouve ça... ça... C'était un peu que jeu, quoi. Bah, ils ont un petit canon de DCA. Hein. Voilà. Ici, ça rapporte plein de masse. La masse. La masse. La bonne masse. Miam, 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 miam. Désolé. Bon alors, le King, Sa Majesté Cryptor, peut envoyer des missiles tactiques depuis sa tête. Il a des batteries de canon devant lui. Et il a deux canons principaux. Mais aucune défense antiaérienne, même légère, donc vous savez quoi me fournir pour que ça marche. Bah, je mettrai le nom de... Si j'y pense, je mettrai le nom de l'expérience, si vous voulez chercher, hein, dans le descriptif de la vidéo. Donc la DCA au terrestre c'est quand même plus efficace j'ai l'impression que l'aviation. Probablement parce qu'il y a beaucoup parce que les unités terrestres sont détruites par Sa Majesté et qu'il y a très peu de défense terrestre. Ah je crois qu'il fallait faire ça dans la mission d'avant, vous aviez un objectif secret. Voilà.
Alors chaque UBC a ses avantages et inconvénients. Je sais que l'UBC, par exemple, Ion, UBC de FTU est équipé pour beaucoup, est équipé de beaucoup de, d'outils d'artillerie. De manière générale, je trouve que ça va bien avec son, avec le style du gameplay de la faction. Celui-ci, bon, je trouve particulier. Je vous présenterai quand on arrivera. Et ce Ion, je vous présenterai quand on arrivera aussi avec. Je ne vais quand même pas vous, tout vous dire. Mais chacun a un style un peu différent. Chacun est différent. Chacun ses avantages et inconvénients. A savoir qu'un bouclier sur une unité, ce n'est pas comme c'était avant. C'est pas un bouclier qui va absorber tous les tirs. C'est un gros bouclier. Une partie des tirs va. Le bouclier va absorber une partie des tirs. Une partie des tirs va traverser le bouclier et va prendre votre PV. Donc. Une unité par exemple qui aurait 2000 de bouclier et 100 PV mourrait même si son bouclier n'est pas totalement détruit. A l'inverse, une unité qui aurait 200 de bouclier et 2000 PV ne mourrait pas. Parce que ce bouclier tomberait certes vite, mais voilà. Pour le même montant de dégâts, hein, mais. Vous verrez mieux avec le commandant Ion, parce que je sens que le commandant Ion a une technologie de bouclier personnel. Bon, les défenses terrestres sont ultra efficaces, quelle que soit les unités, hein, ça par contre. Peut-être même. Ah, il y a même des obus d'artillerie, j'avais oublié ça. Ah, donc King Cryptor dans la base adverse, on démolit tout. Voilà, on a. Là, on envoie tout. Voilà, donc mes chasseurs écoutent quasiment plus rien. Hein, ça. C'est quasiment donné. Là. Bioum, bioum. Donc voilà, cette mission n'est pas dure en soi. Hein. Vous défendez. Vous avez remarqué comment j'ai défendu beaucoup de défense terrestre. J'ai rushé rapidement ça. Enfin, rapidement j'ai mis mes 4 pompes. Au début j'ai visé ça, puis après ça. Puis après j'ai mis en place ma ligne de défense totale, hein, comme vous avez pu constater. Ça par contre, tu mérites ta mort. Ah, j'ai même des obus d'artillerie. Et ben, j'ai des missiles tactiques, des obus d'artillerie. J'ai l'impression d'avoir un bordel sans nom sur mon King Cryptor. Voilà. Et voilà. Rogers was looking for any excuse to start a war. It's what people like him do. It's time to take this battle to his front door. Are you in? Yeah, let's do it. Operation completed. Et c'est ainsi que nous terminons l'avant-dernière mission du premier chapitre. Bon, la mission était assez longue, donc j'ai pas tous les points. C'est pas grave. Donc il ne nous restera plus que cette dernière mission pour finir le chapitre 1, mais ça sera pour une prochaine fois, ça portez-vous bien, et à ciao tout le monde !